jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment prendre du poids avec les remèdes naturels? Être mince n'est pas le désir de tout le monde, surtout lorsqu'on est trop mince. Nous parlons souvent de problèmes de perte de poids, mais il y a aussi des gens maigres dans ce monde qui veulent vraiment gagner quelques kilos. C'est aussi difficile, sinon plus, que de perdre quelques kilos supplémentaires. Être trop maigre implique le même sentiment de malaise, on ne se sent pas bien dans ses baskets. Vous êtes inquiet au sujet de votre poids et vous voulez gagner quelques kilos? Ne vous inquiétez pas. Voici une liste de remèdes qui peuvent vous faire prendre du poids, en restant en bonne santé et en pleine forme, mais aussi j'espère vous rendre bien dans votre peau. La première chose avant de commencer, est de bien comprendre ce que prendre du poids sainement signifie. Ne pas augmenter le taux de graisse, au contraire favoriser l'apport de graisse saine et augmenter la masse musculaire. Un régime alimentaire pour prendre du poids ne signifie pas que vous devriez manger tout et n'importe quoi sous prétexte que cela fasse grossir. Cela ne signifie pas qu'il est facile de grossir, ce n'est pas sans effort. Fuyez les régimes qui se targuent de vous faire prendre du poids, trop, rapidement. Comment pouvons-nous prendre du poids naturellement? Beaucoup de gens ont besoin de prendre du poids, soit parce que leur médecin le recommande ou parce qu'ils trouvent leur minceur désagréable ou inconfortable. Ici, nous allons jeter un regard attentif sur les raisons par lesquelles on peut avoir besoin de prendre du poids, ainsi que sur des moyens naturels et sains pour le faire. Il y a des moments où un besoin de prendre du poids est dû à des problèmes de santé, des périodes de stress ou d'autres maladies qui nous ont fait perdre plus de poids que la normale, ou tout simplement, une prédisposition génétique à être mince. Alors, comment pouvons-nous gagner du poids d'une manière saine et équilibrée? Les nutritionnistes sont d'accord pour dire que prendre du poids peut parfois être plus compliqué que perdre du poids. De nombreux aspects doivent être contrôlés, éviter un excès de calories provenant d'aliments industriels qui causent de graves problèmes de santé au fil du temps. Vous devez également veiller à suivre tous les repas et résoudre des problèmes digestifs associés. Mais nous allons jeter un regard attentif sur tous ces aspects. Nous apprendrons aussi comment les plantes peuvent nous aider à prendre du poids naturellement et sainement. Pourquoi y a-t-il des gens qui ne peuvent pas prendre du poids? Les causes génétiques, il y a des gens qui ne peuvent pas manger plus d'une quantité limitée de nourriture. Une fois qu'elle atteint leur estomac, celui-ci sécrète une série d'hormones qui rassasient l'appétit et les empêchent de continuer à manger. Plus de fibres musculaires. Parfois, la composition génétique et l'hérédité d'une personne leur ont donné plus de fibres musculaires. Ce qui fait qu'ils brûlent leurs calories même en se reposant, ce qui rend le gain de poids plus difficile. Caractère et personnalité, il y a des gens qui sont nerveux et inquiets par nature. Ils sont incapables de rester assis, et sont constamment actifs, même en position assise, une jambe continue à gigoter, ou la main, ou le bras. Tout cela fait brûler des calories quasiment à chaque instant. Difficulté à absorber des éléments nutritifs, un des facteurs clés, car notre corps ne reçoit pas sa ration calorique quotidienne. Certaines maladies, comme, par exemple, l'hyperthyroïdie, l'anorexie, la boulimie, la diarrhée chronique, la dépression, le stress. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, et des secrets en amour avec ton copain ou ta copine, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir visités. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.